Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Dans la vie que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère tenir vieux. Travail. Et bonjour à vous tous mes amis guitaristes, ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto pour le coup vraiment qui s'adresse à des débutants avec une rythmique super super facile. Voilà, après comme d'habitude je donnerai des petites indications pour compliquer un petit peu la vie ou pour que ça soit plus joli tout simplement, et peut-être que pour vous les débutants ça vous fera l'occasion de travailler une nouvelle technique. Allez, c'est parti, travailler c'est trop dur. Vous avez sans doute remarqué que pour la démo, je me suis mis sans capot d'astre. C'est pour être dans la même tonalité que Julien Clerc pour l'occasion. Mais là, personnellement, pour moi, c'est un petit peu grave. Et j'ai essayé différentes positions, ce que vous ne manquerez pas de faire sans doute lorsque vous aurez appris cette chanson. Et j'ai trouvé que capot 4, j'étais pas trop mal. J'espère que... Voilà, ma corde sol ne frise pas comme dans le tuto précédent. En fait, je ne me rends pas toujours compte comme ça à l'acoustique une fois enregistré que je m'aperçois que tout n'est pas parfait. Pour les débutants, une rythmique super, super simple qui va se reproduire tout le long du morceau sur trois accords. Le sol, le do et le ré. Rien de très compliqué, mais des passages un petit peu vite et ça va vous demander un petit peu de feeling côté main droite. Je vous propose de faire ceci. Bas, haut, bas, haut. Pour une seule rythmique. Si j'en fais deux à la suite. Bas, haut, bas, haut, bas. Haut, bas, haut. Et là, j'aurais fait deux rythmiques complètes. Attention, tous les hauts vont se faire avec l'intérieur, la partie interne du médiator. Et vous voyez ce petit geste uniquement sur trois cordes. 4. Deux, peu importe, mais en tous les cas, pas ça. Et en douceur, vous avez l'impression que je joue comme un tabanard, là, avec ce micro. Mais en fait, si vous regardez bien le geste, surtout dans la démo, regardez bien, je fais des tout petits gestes très très doux. Hein. Allons-y ensemble pour ce sol. Donc, il y en aura deux à la suite. 3, 4 et bas. Au bas, au bas, au bas, haut. Je passe en do et je fais bas, au bas, haut et je reviens au sol. Ça veut dire que sur le do, je n'aurai qu'une mesure. Allons-y ensemble et on ne s'arrête pas ce coup-ci. On va faire ce qui est le couplet, le refrain et l'intro. C'est toujours la même chose. 3, 4 et bas. Au bas, au bas, au bas, au do, au bas, au sol, encore un sol, au bas, au ré, au bas, au do, au bas, au sol. Vous pourrez, comme d'habitude, télécharger le document lié à cette chanson à l'adresse, au lien que vous trouverez dans, dans le descriptif de la vidéo. Allez! Pour ceux qui ont un petit peu plus, disons, de pratique, je vous propose de faire une intro un peu plus sophistiquée, on va dire. Alors évidemment, comme d'habitude, je me répète, mais c'est une proposition tout à fait personnelle. Hein. Je ne sais pas qui la joue comme ça, du reste, et peut-être personne, moi en tout cas. Donc, je suis en sol, et je vais faire ceci. Bas, haut, et... C'est un hammer qu'on a déjà vu sur quelques tutos hein, pour cette version-là. Je vais faire sur la corde de La, corde à vide. Hammer sur le Si, deuxième case de la corde de La. Et juste dessous, la corde de Ré à vide et je reviens au Sol. Je le fais tout doucement. Bas. Haut. Pour faire la liaison avec le Do, haut, bas, haut, Do, haut,
sol. Pour ce hammer, c'est strictement la même chose, une corde plus bas. C'est-à-dire que je suis en do. Alors, pour faire simple et pour que vous le voyez, je vais enlever mes doigts, mais en réalité, je reste dans la position de do. Hein. Do, O, corde de ré, hammer, deuxième carte, case, pardon, et corde de sol à vide dessous. Et au lieu de revenir sur le do, je reviens sur le sol. Refaisons cette intro entre le sol et le do. 3, 4 et... On recommence un sol normal. Hammer de nouveau, le même pour le sol. Sauf qu'au lieu d'aller au do, on va aller au ré. Et là, on va faire sur le ré, haut, bas, haut. Et je passe en do, petit aigu. Je monte mon majeur d'une corde, d'une case, pardon, vers le haut. Basse, haut de nouveau, corde à vide de là. Haut de nouveau, et sol, haut. Et pour finir, de nouveau, le hammer. Ça fait très confus, hein, tout ça, hein, très compliqué. Mais on va le faire tout doucement ensemble à plusieurs reprises et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez bien compris les hammers, c'est surtout peut-être cette petite fin là ici qui va faire haut, bas, haut, basse, basse, basse et sol. Allons-y ensemble à toute, mais vraiment toute petite vitesse sur cette petite intro et ça vous permettra de la travailler chez vous tranquillement jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement pour la jouer. Allons-y. 3, 4 et sol. Plus vite, je vous assure que ça donne l'impression que vous faites quelque chose de monstrueux, mais en fait, c'est super, super facile, hein, faut bien l'avouer. Allons-y encore une fois, un chouïa plus rapide. 3, 4 et... Et on attaquera le chant à ce moment-là. En parlant du chant, c'est parti. Pour, comme d'habitude, pour vous aider à trouver la bonne note de départ de cette chanson, je dirais que ça serait si, do, si on n'avait pas le capot, bien entendu. Hein. Travailler, travailler. Alors, déjà, ça pourrait, vous pourriez vous contenter de jouer donc votre corde de ré pour avoir le yé travaillé. Fort de ça, on va attaquer le chant avant la guitare. Le premier sol va arriver sur le yé de travailler. Travailler, c'est trop dur. Vous voyez, j'accompagne légèrement mes paroles avec mon geste. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Dans la réalité, je pense aux débutants, hein. Évidemment, là, je fais quelque chose de très carré, de très saccadé, mais dans la réalité, ma main droite ne va pas s'arrêter, hein, et je vais faire. C'est-à-dire que je vais relier
cette rythmique par des tout petits, voyez, en bas, en haut, qui vont se jouer sur 2-3 cordes de manière très 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 douce. Et c'est ça qui va faire que c'est joli, que c'est doux et agréable à écouter. Si vous faites ceci, ne rigolez pas, parce que c'est quelque chose que je vois fréquemment, hein. Allez, pour le chant, je vous propose qu'on fasse petite intro. Alors, pour vous débutants, l'intro se passe comme on l'a appris, hein. D'accord. Et pour vous, les gens qui aimaient vous casser un tout petit peu plus le bocal, on va faire l'intro avec les hammers. Et on attaquera le chant pour ce premier couplet. C'est parti. 3, 4 et... Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Dans la vie que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux, et je prends mon vieux cheval, etc. pour le couplet suivant. Alors attention, cette chanson est courte, hein. À part ce qu'on vient de faire, il y a deux couplets complets, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous fassiez des petits intermédiaires musicaux entre les couplets, hein, en refaisant l'intro avec les petits hammers, tout ça, hein. C'est la chanson idéale pour chanter en famille. Bien. Pour ce qui est du chant, toujours, pour les gens un petit peu plus avancés, alors, on peut faire les hammers en chantant. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mais, franchement, je trouve que ça n'amène rien du tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va garder, sur la fin, cette petite chose-là, ça fonctionne très bien. Faisons ensemble la deuxième partie de ce couplet avec, à la fin, le ré tel que je vous le propose. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux, travailler, etc. Voilà, hein, vous voyez, hein, ce tuto va être vite terminé. Je vous propose de faire maintenant tout de suite la petite récap, bien qu'elle soit quasiment faite déjà, sauf que là, je vais la jouer pour de bon avec tous les petits allers-retours côté main droite. Intro, couplet, et ça sera terminé. Allez, si tout le monde y est, pour la récap. 3, 4 et... Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Dans quelques jours que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, j'espère venir vieux. Et je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille selle, etc., etc. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. En tous les cas, j'aime beaucoup jouer cette chanson. C'est très facile avec mes amis, parce que tout le monde la connaît, c'est sympa. Voilà, merci pour vos petits commentaires, qu'ils soient bons, mauvais, agréables, désagréables, peu importe. Allez-y, lâchez-vous, j'adore. À très bientôt pour un nouveau tuto.